Et salut tout le monde, c'est Diablo. Aujourd'hui on se retrouve sur Carmageddon pour le 18ème épisode déjà. Ça fait un bon moment qu'on a commencé ce let's play et je dois dire que je prends toujours autant de plaisir pour faire ces vidéos. Donc cette fois-ci on se retrouve de nouveau sur l'environnement industriel qu'on avait fait il y a 2-3 courses je crois. Donc tout de suite la liste des racers. Alors, on retrouve Cutter qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Avec la Countach, Val est là avec la Viper, Mechmania avec son véhicule, l'agent orange, qui contrairement à ce que je pensais est assez facile à détruire, et Otis qui est un nouveau, enfin, fait partie de la même catégorie que l'agent orange, mais c'est la première fois qu'on le voit, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. En espérant que je gagne une voiture prochainement, parce que ça fait un moment que j'ai pas gagné de nouveau véhicule. Donc voilà la map, hein, c'est un truc qu'on avait fait il y a un bon moment. Enfin, c'est l'environnement qu'on avait fait il y a un bon moment. Ok, le début on pousse, ça va faire. Ah, il n'y a que 160 civils. Je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on les détruise, qu'on les tue tous. Sauf qu'il y en a peu. Ah, je vais voir. Parce que je savais pas que. Je me rappelais pas qu'il y en avait aussi peu. J'ai un paquet là. Désolé, hein, des fois il y a des petits ralentissements, j'ai vu sur une vidéo où il y a un petit moment où tu sais ça galère aussi. C'est pas de mon... C'est pas vraiment de la faute, hein. C'est des fois mon PC qui exécute des tâches en fond. Quand j'ai mon PC, mais des fois aussi l'émulateur qui a du mal. Je rappelle, hein, ceux qui savent pas que c'est sous l'émulateur, ça s'appelle MS-DOS, DOSBox, ça s'appelle comme logiciel. Un petit bug, là, le 4 qui clignote alors que je trouve pas fait de tour. Et si je vais dans le 4, il me dit bon. Voilà, c'est la vie. Je sais pas si j'avais défini tous les bonus. Donc, pour rappel, je vais vous faire un petit peu la liste. Donc les verts c'est les bonus qui rapportent soit du temps, soit des crédits. Il y a trop flic. J'ai jamais vu autant. Carrément 3 flics. Voilà, ensuite les noirs c'est tout ce qui est au niveau du turbo. Je sais pas du tout ce que c'est comme ça. Enfin, je crois que ça colle les piétons sur le véhicule. Voilà.
Ouais, j'ai eu un bonus pour infliger plus de dégâts. Donc ouais, je vais revenir pour les bonus. Donc les noirs, c'est tout ce qui est turbo. Les oranges, c'est des bonus aléatoires. Et les rouges, c'est les bonus les plus puissants. Sachant que les rouges, c'est soit un bonus, soit un malus. Voilà. J'ai des... de like par moment. Je vérifierai après, voir si c'est pas un truc qui rend une tâche de fond. Vu que maintenant je peux détruire les policiers, hein, je m'en gêne pas. J'en ai l'occasion. Peut-être aussi me détruire un peu. Je prends cher. Essayer de boucler un tour. On va montrer un petit peu le tracé. Sachant que quand je déclenche le mode pinball, visiblement ça fait aussi des concurrents, notamment les flics. C'est pas mal ça. Thank you.
Ah oui, les gris c'est pour l'eau et aussi ça, des fois il y a des boosts.
l'histoire est finie. D'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Diablo. À la prochaine.